Hello, coucou, comment ça va? Moi aujourd'hui ça va méga bien. Pourquoi? Parce que ce soir à 10h se ferment les portes de mon programme et il y a autre chose qui se passe. Je prépare les bagages pour aller en Corse. Et quand je suis dans une situation où j'ai en fait pas le temps, où je dois faire 36 000 choses si tu veux en même temps, je deviens super efficace, super inspirée. Et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment gai. Et j'ai donc ça aujourd'hui. Et donc je me connecte ici en vitesse pour t'informer si tu n'es pas encore au courant. Si tu l'as oublié, que ce soir à 10h, pile, je ferme les portes pour mon programme La confiance à corps et âme, comment apprivoiser sa grandeur. C'est un programme qui est hautement magique, un programme sur 4 semaines, un programme où tu peux prendre le temps pour te construire ta confiance en soi de l'intérieur. Et la dernière semaine, on met en œuvre. C'est que tu as construit à l'intérieur de toi, c'est que tu as pu sentir, va faire des vagues à l'extérieur et des changements à l'extérieur. Donc, un programme qui est magnifique, je te le recommande évidemment. Je l'ai donné au mois d'avril, les résultats ont été juste époustouflants. Je suis moi-même étonnée de la portée et de la puissance de ce genre de travail. J'ai rajouté aujourd'hui, je te dis, je suis hautement inspirée, je suis totalement dans le flow et cette inspiration. Un super bonus pour toutes les celles qui nous rejoignent avant 22 heures dans le groupe. Et le super bonus, c'est que je vais faire un hello, je vais faire un soin énergétique pour le groupe. Et j'ai fait ça en fait au mois d'avril. Ici, je ne voulais pas le faire parce que je pensais déjà être partie, mais non. Donc, à 22 heures, je ferme les portes et tout de suite après, je vais en haut dans ma Chandra Room et je vais faire ce soin énergétique unifiant pour le groupe entier. Et on a fait ça en avril et chaque participante, en fait, sans que je l'avais demandé, s'est mise à faire aussi un rituel comme ça. Et on était tous là avec les larmes aux yeux et avec plein de frissons parce que c'était magique et très puissant. Et donc, c'est ça qui t'attend dès ce soir. Et les femmes qui étaient dans le groupe m'ont dit qu'elles ont vraiment senti le moment auquel j'ai fait ce rituel. Et ça nous a unifiés, ça a unifié un peu le groupe et ça a vraiment fait quelque chose d'encore plus puissant. Donc j'espère que tu vas cliquer sur le lien que je vais poster ici et en fait nous rejoindre. Réfléchir, c'est bien. Trop réfléchir, ce n'est pas bien. Il faut sentir si ça c'est le bon moment pour toi. Et si tu as envie, si tu as besoin de travailler sur ta confiance en soi, qu'est-ce que ça va te faire la confiance en soi en fait? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Eh bien, si tu as des projets, si tu as des rêves à poursuivre, et je pense que chaque femme a ça, à ce moment-là, tu vas sentir, tu vas arriver à te faire confiance, faire un peu plus confiance à la vie et marcher dans la vie avec une attitude ouverte, une attitude d'ouverture, de confiance. Et ça change tout. C'est comme, tu vois, imagine que tu vois, ah, mon chat ici, tu vois, tu as un chien en face de toi. Et ce chien, tu as peur de ce chien. Hein? On sait ça. Quand on a peur d'un chien, le chien, il devient agressif, il sent ça. Et c'est une mauvaise vibration. Le chien n'aime pas ça. Si tu as peur d'un chien, il va se dire, tiens, il y a quelque chose qui est dangereux. Et s'il ne se rend pas compte que c'est de lui que tu as peur. Tandis que si tu fais confiance à... Ah, je te montre mon chat. Il est trop chou. Cookie? Là maintenant, elle est... Vas-y, montre-toi. Vraiment super, toujours. J'adore mon chat. Tu vois, si tu fais confiance... Il paraît que même, il y a des documentaires sur ça, les lions et les animaux qui devraient faire super peur. Ils ont aussi un sixième sens pour ça. Et que si tu incarnes quelque chose qui est confiance totale en toi sans peur, parce que ça fait disparaître la peur, cette confiance, cette force, elle fait disparaître la peur. À ce moment-là, ben les animaux le sentent aussi, ils vont pas te manger. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit, je l'ai pas mis en œuvre. Mais tu sais qu'il y a des stages qui existent comme ça. Mon maître, et je suis de nouveau une pipelette ici, mais je le raconte quand même. Mon maître Wim Hof pour la thérapie par le froid, hein, que je ne pratique plus beaucoup pour le moment, pas bien, mais bon. Lui, il organise ses stages en Afrique avec les Maasai. Et c'est ça qu'il disait. Il disait les Maasai, ils n'ont pas de clôture. Ils vivent parmi, enfin, il y a les lions. Et les lions les respectent parce qu'il n'y a pas la moindre once de peur. Et ça, quand tu n'as pas peur, qu'est-ce que tu as? Tu as confiance.
et en quoi tu as confiance, pas seulement en toi, ça ne suffit pas. Tu as confiance aussi en la nature, en Dieu ou l'univers, ce que tu veux. Te revoilà, Cookie. Quel chat. Et tu vois, et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Tu n'es pas né timide ou à te. Ce n'est pas fait pour te cacher dans un coin et d'être la petite souris grise. Non, cette confiance en toi, elle peut devenir de plus en plus construite et grande. Et après, c'est une puissance intérieure. C'est magnifique de vivre ça. Si ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir t'engager à vraiment accomplir ta mission de vie ou aller réaliser tes rêves. Et ils te la font, cette confiance en toi, et ils te la font très très fort. Et donc voilà, moi, ce que je peux faire, je peux t'aider à accélérer le processus et à que tu puisses sentir cette confiance. Ça, c'est absolument délicieux et sublime. C'est ce que je te souhaite. J'ai créé ce cours pour cela ça serait magnifique si tu venais nous rejoindre 22h ce soir. Date limite. L'autre chose qu'il y a, il reste une place pour un coaching individuel sur 2 mois. Si tu es une porteuse de projet et que tu veux accélérer ta progression, c'est un coaching qui est individuel, un coaching où on regarde ta réalité actuelle, on regarde où tu peux être dans 2 mois. On va scanner la situation telle qu'elle est maintenant, où est-ce que tu en es avec la personnalité que tu es, aussi dans le monde vraiment concret. Et alors, on travaille sur ton projet pour que tu puisses accoucher ou bien alors le porter plus loin. Donc, ça, il y en a un qui reste, un coaching comme ça, une place qui reste, et ça, on peut commencer dès demain matin. Alors, à toi de jouer, n'est-ce pas? Gros bisous. Bonne décision, bonne prise de décision, je te souhaite ça. Réfléchis et je me réjouis si tu nous rejoins tout à l'heure. Bye bye.